Et quand notre pasteur va passer, j'aimerais bien que tu manifestes la joie. On va acclamer très fort pour la gloire de Jésus. Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 6, pardon. Du verset 5. Ouais. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras, c'est une loi. Or, lorsque nous parlons des lois, la loi, c'est une obligation. La loi de France, lorsque tu ne fais pas exactement ce que la loi te demande, tu es condamné. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la loi. Là, la Bible ne nous parle pas de l'amour entre Dieu vers les hommes. Non pas seulement de l'amour entre les hommes, mais Dieu nous parle de l'amour de Dieu. Tu aimeras. L'amour de Dieu doit déborder dans ton cœur, dans ton âme, dans tes forces. L'amour de Dieu doit dominer. Et si nous aimons Dieu, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire tes actions vont dépasser l'entendement humain. Parce que beaucoup de gens peuvent parler de Dieu, peuvent déclarer Dieu, peuvent dire Dieu, peuvent appeler Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Et là où il y a l'amour, il y a des choses qui se voient, qui prouvent que l'amour est là. Si quelqu'un aime réellement Dieu, si quelqu'un trouve qu'en Dieu, que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées, son amour doit être prouvé. Dieu m'a dit de t'interpeller. L'église de Dieu, nous devons aimer Dieu. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, si je suis là de la part de l'Éternel, si je travaille pour la gloire de Dieu, parce que j'aime Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose, on dit. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes le Jésus, bouge un peu. C'est-à-dire, si l'église aime Dieu, l'église doit travailler d'une manière, en passant par un homme, mais en pensant à cet amour qui est vers Dieu. L'amour de l'homme vers Dieu. Dieu m'a dit de t'interpeller. Pourquoi? Parce que si cette église, si nous aimons Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Et des gens qui ont aimé Dieu avant nous dans l'Ancien Testament. Et Dieu disait, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Lui, il nous a, la Bible dit, l'Éternel, il nous a déjà aimé dès le commencement. Lui, il nous a déjà aimé avant toutes choses. Maintenant, il attend quelque chose. Cet amour-là doit aussi partir de nous vers lui. Un vrai amour ne peut pas avoir un seul sens. Donc, c'est-à-dire, une seule personne t'aime plus et l'autre s'en fout de cet amour. Pour que l'amour fonctionne, l'amour doit être des deux côtés. Dieu m'aime, j'aime aussi Dieu. Dieu nous aime, nous aimons aussi Dieu. De mon cœur, de mon âme, de ma force, de mes pensées, j'aime Dieu. Si l'église nous aime Dieu, nous saurons que nous allons faire des choses pour Dieu. Vous allez se rendre compte, lors des baptêmes de Jésus, le Saint-Esprit a confirmé à ses mots en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a œuvré à cause de cet amour qu'il avait au Père.
Celui qui aime Dieu doit accepter aussi sa volonté. Si tu n'aimes pas une personne, même s'il te demande un service, tu ne pourras pas le faire parce que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes quelqu'un, même si tu es fatigué, tu diras, je fais ceci par amour. Je fais ceci parce que j'aime Dieu. Nous allons enseigner dans cette ville parce que nous aimons Dieu. Nous voulons que cet amour-là puisse affecter aussi d'autres personnes. Nous voulons que d'autres personnes puissent bénéficier aussi de cet amour. Laisse-moi te dire, je sais que Dieu m'aime. Si ce n'était pas par l'amour de Dieu, je ne peux pas me mettre devant vous pour parler de la part de Dieu. C'est à cause de cet amour. En retour, ma personne est obligée aussi à aimer Dieu. Si toi aussi tu ressens la même chose, Dieu t'interpelle aujourd'hui. L'une des lois que tu dois pratiquer dans ta vie, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Peuple de Dieu, on a aimé l'Europe, mais l'Europe ne nous a pas donné ce que nous avons besoin. On a aimé ce monde ne nous a pas donné ce que nous avons besoin. Mais Dieu t'interpelle, cherchez cet amour fort envers moi. Parce que la Bible me dit, tout quiconque est ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui aiment cette terre, qui aiment l'Europe. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute pasteur, l'Europe est bon. Moi je suis en Europe, hein. J'ai tout eu. Ici tout va bien. Je ne cherche pas le paradis. Je vois déjà ce paradis. Je dis, cet homme est ami de ce monde. Si tu es ami de ce monde, c'est alors que tu es ennemi de Dieu. Dieu nous parle d'amour pour que nous ne soyons pas ennemis de Dieu. Dieu nous parle de l'amour pour que nous soyons une église qui connaît Dieu. Si nous faisons des choses, si je fais ceci à cause de cet amour, je ne fais pas pour un homme, je ne fais pas pour un pasteur, mais je le fais parce que j'aime Dieu. Mon cœur est attaché à Dieu. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Éternel. Tu es mon amour fort, tu es mon premier amour, tu es l'amour qui demeure à moi. Même la Bible nous conseille, si tu étais amoureux de Dieu avant et que tu as abandonné, Dieu te parle aujourd'hui. Retournez dans cette première amour. Il y a des gens, avant ils aimaient Dieu. Aujourd'hui, la foi, ce n'est qu'une symbole, une formalité. Ils le font parce que c'est une habitude. Peuple de Dieu, Dieu t'interpelle. Ayez cet amour-là. La manière dont j'aime Dieu, je ne vois rien qui peut être plus important que mon Dieu. Parce que ce que je suis en train de construire, cela n'est pas physique, mais cela est céleste. Si je n'habite dans une maison qui n'est pas conforme, à cause de cette mari-là, que je m'occupe de lui tous les jours, je m'occupe de lui tous les temps, lorsque je quitterai cette terre, il va m'accueillir différemment. Il dit, celui-là, il m'a aimé. Son amour était parfait. Moi, lorsqu'il m'aimait en bas sur terre, moi, je construisais une belle maison en or ici. Lorsqu'il m'aimait sur terre, moi, je construisais une belle maison ici au ciel. Lorsqu'il me dira, viens maintenant te reposer. Ton repos va être éternel. Ton repos va être différent. Repose-toi ici parce que tu as travaillé pour moi et tu m'as aimé. Et la Bible dit, dans les derniers jours, des gens seront amoureux de l'argent. Ils vont servir Mammon. Mammon, c'est Dieu de l'argent. Ils n'aiment pas Dieu. Ils parlent de Dieu, mais leur amour est branché sur l'argent. Ils parlent de Dieu, leur amour est marché sur le matériel. L'amour doit être parfait. Alléluia. Nous avons appris ici dans cette assemblée, il y a une différence entre aimer et estimer. Estimer, ça se ressemble à l'amour, mais cet amour-là est branché seulement pour quelque chose, pour des intérêts, pour prendre quelque chose. Nous aimons Dieu pas à cause des guérisons, nous aimons Dieu pas à cause des miracles, nous aimons Dieu parce que lui, il nous a aimés déjà dès le commencement. Nous l'aimons parce que lui n'a pas hésité de nous offrir le plus précieux que lui avait pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et si l'amour est parfait, peuple de Dieu, lorsque nous irons, les gens vont nous traiter de fous. Les gens vont nous dire que nous irons chez Jean-Félix. Vous allez chez Jean-Félix, nous allons dire, nous savons que mon cœur, j'aime Dieu. Mes pensées aiment Dieu. Ma force aime Dieu. Ma personne aime Dieu. L'amour doit être parfait. Et si l'amour est parfait, quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne peux pas te lamenter parce que tu sais ce que je fais. Même si l'autre ne fait pas, moi je le fais parce que j'aime mon Dieu.
Alléluia. Même si les autres, parce que l'homme a tendance à regarder les autres. Moi j'aime Dieu, alors les autres. Ne regarde pas les autres. Regardez Dieu. Dit que je fais cela à cause de cet amour. Peuple de Dieu, si Dieu veut que nous apprenions à ce qui concerne l'amour de l'homme vers Dieu, je vais vous apprendre quelque chose. La Bible m'apprend, Dieu a donné à Abraham un enfant. Cet enfant était la joie et la force d'Abraham. Cela démontre aussi l'accomplissement de ses promesses. Ce que Dieu lui a promis va se réaliser. Et il a eu un fils qui va hériter de toute sa bénédiction qu'il a reçue de près de l'Éternel. Mais à un moment donné, Dieu a demandé encore à Abraham de l'offrir, cet enfant. C'est là où il y a un problème. Si tu aimes vraiment Dieu, si ton amour est parfait, on saura cela quand Dieu va te demander quelque chose à faire pour lui. Non pas pour un homme, mais pour lui. La Bible dit, étant donné qu'Abraham, c'est un homme qui aimait vraiment Dieu, il n'a même pas pu partager ça à sa femme. Laisse-moi te dire, certaines façons d'aimer Dieu, tu ne peux pas partager ça avec un païen. Il sera un blocage pour toi, il ne pourra pas te comprendre parce que la manière dont toi tu aimes Dieu, les autres n'aiment pas Dieu de cette manière. Il a dit, cet enfant, je l'ai eu en Dieu à cause de son amour. Ma femme reste comme ça. Je prends l'enfant. S'il y aura des questions, réponses, ça va être au retour. Quand je serai de retour, c'est à ce moment-là que tu vas me poser des questions. Où est parti l'enfant? C'est un amour de Dieu. Ça ne peut pas être partagé. C'est un amour qui est d'abord personnel. Alléluia. C'est un amour qui est d'abord personnel. Si tu aimes Dieu, personne ne pourra t'influencer de faire quelque chose que tu veux pour la part de ton Créateur. Et la Bible dit, ce que Dieu lui demandait, il fallait d'abord un trajet, malgré son âge. Et arrivé là-bas, il fallait encore monter pour aller faire ses sacrifices. Et Abraham partait. Et la Bible m'apprend, lors des sacrifices, Dieu a vu que le cœur d'Abraham aimait réellement Dieu. Il ne s'amusait pas pour plaire à Dieu, mais son cœur décidait d'offrir le meilleur qu'il avait pour ton Créateur. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu, malgré l'amour qu'Abraham avait auprès de Dieu, Dieu a intervenu. Et l'intervention de Dieu a fait en sorte, Dieu a dit à Abraham, regarde à côté, il y a un bélier qui est attaché à côté. Alléluia. Et Abraham a pris le bélier. Et lorsqu'Abraham a pris le bélier, il a sacrifié le bélier à la place d'Abraham. Alléluia. Jusque-là, je sais que c'est un peu compliqué. L'amour de Dieu, premier amour, j'ai parlé de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu aussi, son fils a traversé des moments comme Abraham. Dieu a accepté d'envoyer son fils unique. La Bible, comme la Bible déclare en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus voyait la coupe, le charge qui devait peser devant lui au moment de la mort, il a demandé au Père, fais en sorte que cette coupe se loigne de moi. Mais il a fini par conclure, que ta volonté soit faite, que ta volonté se réalise. Peuple de Dieu, la Bible me dit ceci, lorsque Jésus était à la croix, il était cloué à la croix avec deux brigands. L'un des brigands lui disait, appelle ton père, qu'il vienne maintenant intervenir. Ou sauve-nous, tu te sauves aussi. Alléluia. Mais Jésus, il avait l'autorité, la capacité d'appeler même des anges de descendre. Mais à cause de l'amour de Dieu, c'est pour cela que la Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. L'amour fait en sorte, peu importe le prix à payer pour Dieu, s'il faut le payer, nous allons le payer pour que la gloire revienne à Dieu. S'il faut subir, nous allons le subir à cause de l'amour de Dieu. Parce que Dieu pouvait intervenir. C'est pour cela que la Bible dit à un moment donné, Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Alléluia.
Une église qui n'a pas l'amour de Dieu en lui ne peut pas évoluer. C'est un obstacle. Certaines choses viendront. Vous allez se disperser parce que l'amour n'est pas là. Celui qui a l'amour, rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Rien ne peut t'arracher de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a préparé pour toi, cela doit arriver. Alléluia. Cela doit arriver parce que Dieu a préparé de grandes choses. Et si vous regardez, vous lisez dans Matthieu, les disciples ont posé aussi la même question. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38. Les disciples ont posé la même question à Jésus-Christ. À ce qui concerne le commandement. Ils ont voulu savoir quel est le plus grand commandement de toutes ces choses-là. Et Jésus a répété la même lecture que nous venons de lire. Que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est-à-dire, un amour peut être verbal, mais tes pensées ne sont pas là. Un amour peut avoir certains actes, mais l'action de ton cœur n'est pas là. Alléluia! L'amour de Dieu a fait en sorte que ces jours puissent avoir lieu. Alléluia! L'amour de Dieu a fait en sorte que Jésus-Christ puisse mourir et ressusciter pour toi et moi. C'est-à-dire, c'est à nous maintenant d'envoyer cet amour envers ce Dieu-là, de prouver à cause de ce Dieu-là que nous avons la vie. Et si nous avons la paix à cause de notre Dieu, étant donné que lui l'a accepté de sacrifier son fils bien-aimé, il a accepté de sacrifier son fils. Et nous aussi, de notre côté, nous devons prouver cet amour. Alléluia. Si l'amour est là, l'amour supporte tout. Alléluia. L'amour ne fait pas du mal. Si l'amour est là, l'amour ne fait pas du mal. L'amour supporte. L'amour permet à l'autre de comprendre que c'est un moment que nous devons vivre de grandes choses. Revenons à la Bible. Deutéronome toujours, chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher de toutes ces voies, que tu aimes et tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Alléluia. Encore une fois, parce que les autres sont en retard. Les autres sont vraiment en retard. Deutéronome 10, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Israël, que demande l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ces voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, Alléluia. De tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. C'est une question pour Israël. Que devrais-tu faire, Israël? Première chose, tu devais craindre l'Éternel. Si la crainte est là, l'amour, sa crainte, c'est un amour qui n'est pas parfait. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui parlent de Dieu, c'est comme si lui il est grand, c'est tout change. Faut craindre l'Éternel. Parce que la Bible me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu marcheras pour Dieu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu le serviras. Alléluia. Ton Dieu que tu aimes, tu dois le servir parce que tu l'aimes. Je dois servir à celui-là que j'aime. Vous savez, des gens qui n'aiment pas Dieu, ils servent leur Dieu. Si tu aimes Dieu, l'amour est parfait de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Tu dois les servir. Tu les serviras. Peuple de Dieu de cette assemblée,
dans cette église. Nous ne devons pas seulement aimer le monde. Nous devons aimer Dieu plus que tout, parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Nous devons aimer Dieu plus que tout, parce que c'est lui qui a fait en sorte que nous soyons sauvés. La Bible dit, et quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire, à cause de l'amour de Dieu, même la mort ne pourra rien faire. Quand tu meurs, tu vivras encore éternellement. À cause de cet amour, étant donné que l'amour de Dieu est fort sur toi, maintenant en toi, craignez l'Éternel, marchez avec lui, aimez l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, et sers l'Éternel. Il y a des gens, on a servi le monde. C'est une bonne chose. Dieu ne nous dit pas de ne pas servir ou de travailler. Quand on travaille, voilà ce qui est mauvais dans l'homme. Quand l'homme travaille dans une entreprise qu'il aime bien, qu'il le paye bien, 2000, 3000, 4000 euros, il fait tous des efforts. Mais quand nous sommes pour travailler pour Dieu, notre amour commence à baisser. Oh non, pour Dieu, écoute, je vais quand même faire l'effort, mais je ne vais pas le faire tous les jours. Peuple de Dieu, si tu aimes Dieu, j'ai dit, il y a même certaines personnes, écoutez-moi très bien, si Dieu veut que nous parlons, qu'on puisse parler de l'amour de l'homme vers Dieu, si ton amour n'est pas parfait, ça peut même bloquer certaines de tes bénédictions dans ta vie. Il y a des gens, pour traverser à une autre étape, tu dois d'abord passer par l'étape de prouver ton amour envers ton Créateur. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu est en train d'ouvrir une autre porte de bénédiction devant toi. Alléluia! Ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes, Dieu n'enverra pas un ange qui viendra faire le travail à ta place. C'est toi qui aimes Dieu qui dois prouver. Ta place est ici. C'est à moi de faire parce que j'aime mon Dieu. Et si tu fais quelque chose à cause de l'amour de Dieu, laisse-moi te dire, personne ne te dira non parce que tu aimes Dieu. Écoutez, la Bible me dit dans Ésaïe, l'Éternel était au ciel et un homme était sur terre. Et l'Éternel était assis sur son trône et les anges faisaient leur travail. Il adorait Dieu en disant « Saint, 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 et le Seigneur notre Dieu, toute la terre est remplie de ta gloire. » Et la Bible dit que la gloire de Dieu remplissait les temples comme un fumée. Mais un homme était aussi sur terre. Il voyait toutes ces choses-là. Et Dieu s'est lamenté. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Seule une personne qui aime Dieu peut dire oui à certaines choses. Si l'amour est là entre l'homme et son Créateur, l'homme dira oui. Dieu n'a peut pas appeler cet homme par son nom. Mais Dieu parlait et s'est lamenté. Et cette vision a coïncidé que, je ne sais pas, la Bible ne me précise pas si d'autres personnes ont vu cette vision. Mais un homme a vu cela. Mais lui s'est dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Cela veut dire quoi? Il y a celui qui aime Dieu. Il y a certaines choses. Ce n'est pas destiné pour les anges, mais qui est destiné pour toi et moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Alléluia. Ne cherche pas là où je dois faire quelque chose par rapport à mon amour envers mon Dieu. Qu'un ange le fasse. Il était là, il pouvait dire, j'envoie des anges. Parce que la vision qu'il voyait, les anges étaient tout autour de lui. Et la Bible dit, il était entouré même des anges les plus puissants. Et les 24 vierges étaient là. Et la Bible dit, les chérubins et les séraphins tournaient tout autour de lui. Ils avaient 6 ailes. Les 2 ailes, ils protégeaient leur visage pour ne pas voir Dieu. Les 2 ailes, ils couvraient leurs pieds. Et ils volaient. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. L'amour de Dieu te rend tu non dans la gloire de Dieu. L'amour de Dieu remplisse la gloire en toi. Prouve que ton Dieu est vivant. Je dois faire quelque chose parce que j'aime Dieu. Toute la terre est remplie de la gloire. Je dois prouver ma part de gloire en disant que j'aime Dieu. Mais voici, envoie-moi. J'ai dit ces choses. Quand l'amour de l'homme est pratiqué vers Dieu,
Cela veut dire, cela intensifie encore l'amour de Dieu envers lui. Alléluia. Lorsque Esaïe a accepté cela, Esaïe c'est un prophète de distinction. Parce qu'il a entendu la voix d'un amour qui criait que j'aime la terre, que j'aime ce peuple, qui marchera pour nous. Et il a compris, moi aussi j'aime cette voix-là. Moi aussi j'aime ce Dieu-là. Je me lève et je marcherai pour lui. Si les autres ne répondent pas à cet appel, moi je dis, me voici, envoie-moi. Je dis, me voici parce que j'aime Dieu. Je dis, me voici parce que je vais servir Dieu. Je dis, me voici parce que mon amour est parfait. Même si je ne connais rien, même si je ne sais rien, j'accepte d'abord. Or, celui qui accepte, qui prouve son amour, c'est celui-là que Dieu lui donne avantage. Alléluia. On dit, mais tu vas pas au salon, on est. Tu peux son gouillard au salon, on est, on dit. Commencez par accepter. Et la Bible dit, 700 ans avant, c'est Esaïe qui a prophétisé la naissance de Jésus. Moutou, on a boulimé, on a mis les colonnes à yo. Nous avons un monde sur ma cambo, on a les bosso. Pour que les sakabatobi, que les pomoki, les oké nasuka. Nzamba bano fungulo telema pona nzambe ya solo. Bolingo nzambe za kat nzola sake mokilezo ke na kokufa. Bolingo nzambe za kat nzo bato fungola nda kwa munene po bato bakota masua ya noa. Bolingo nzambe za kat nzo sala ke na bano beta deja mabaya. Bolingo nzambe za kat nzo lobake bonga maka deja. Parce que mo e rezo kende, e rezo ko avancer. Mais Dieu n'appelle pas n'importe qui. Mais Dieu appelle des hommes de foi. C'est l'amour de Dieu. L'interprétation des hommes va être fausse parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Amen. Ils vont dire qu'il est là, il veut se glorifier, il veut être riche, il veut prendre de l'argent. Ce n'est pas ça mon travail. J'aime Dieu pour que toi aussi tu sois sauvé, pour que les autres aussi soient sauvés, pour que ton amour avec mon amour, la manière dont tu aimes Dieu, que Saint-Saint-Brieuc puisse entrer dans cette barque de la vie éternelle. Si nous n'aimons pas Dieu, cela ne peut pas se faire. Mais si nous sommes des hommes de l'amour, tu dois regarder quelqu'un qui est dans certaines choses. Tu vois d'abord l'amour de Dieu. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Donc c'est-à-dire, étant donné qu'il est un Dieu jaloux, tu dois comprendre. Non, ma frère, ma sœur, on est ensemble tout le temps. Mais je pense à toi. Faut toi aussi tu sois sauvé. J'aime Dieu. Mais à cause de cet amour que je te parle, que Jésus est vivant. À cause de cet amour que je te parle, qu'il revient bientôt. L'amour fait parler des choses. Oh, vous connaissez seulement des je t'aime. I love you. Oh, I love you. N'oublie pas, l'amour de Dieu fait parler aussi des choses qui fait sauver l'humanité. La Bible dit, Pierre, un homme insensé. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, des gens les traitaient de soulards. Mais lui, il aimait Dieu. Il a tenté même un coup qui ne peut pas se faire. Il dit, j'aime tellement ces personnes. Il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Moi aussi, je vais intervenir. Jésus les a dit. Jésus a regardé en disant, écoute Pierre, je sens ce que tu veux, mais cela ne peut pas arriver malgré ton amour. Cela ne peut pas arriver. Pierre dit tellement, je veux faire. Et la Bible m'apprend, malgré son amour, Jésus lui a promis, trois fois tu vas régner avant que le coq chante. Cet événement-là a créé encore en Pierre une amour forte qui n'a jamais existé. Aux yeux des gens qui n'aiment pas Dieu, ta foi, c'est déjà la folie. Alléluia. Aux yeux des gens qui n'aiment pas Dieu, ta joie, c'est déjà la folie pour les autres. Ta foi, c'est la folie pour les autres. Mais étant donné que tu aimes Dieu, quand tu regardes avec pitié. La Bible me dit, étant donné que Noé aimait Dieu, il construisait l'arche. Des gens, il était le sujet des moqueries de son époque. Mais cela ne lui a pas empêché d'enlever cet amour qui était dans Dieu. Alléluia. Nazolo bana mutu mogo alléluia. Nazolo bana mutu lelo alléluia. Bible ebisinga Job, azake mutu alinga kinzambe. Mutu alinga nzambe ko botole mituka ko tiboya nzambe te.
okobote le bana kobote ya boya nzambe te okozangise musala koboya nzambe te okobote le libaya libala kozoboya nzambe te okobote le mukanda koboya nzambe te yanga ebisegi satan bi satan yo uti apona uti mukili uti na mukili batu bazalanga na bango kuna menga na tuna ka mutu nyoso te na tuna kaka mutu ya lingaka ngai na tuna kaka mutu motema neza kapana ngai kati vumvi mon serviteur Job un homme intègre et droit bolingo ya motema na ngai bolingo ngo kangama na mbongo te e kangama na bana te malinganga na bolingo ya solo Job albia tika biloko wana to botole mbongo to tala swa ko linga yo to botole musala to tala swa ko linga yo to pimele mukanda to tala swa ko linga yo alléluia mais Dieu a dit je connais Job parce que Job son amour est parfait. Parce que Job, son amour est correct. Si ton amour est correct, personne, même si on te touche, même si tu n'as rien, même si tu n'as rien à manger, ton amour va rester toujours en toi. Ton amour va rester toujours en toi. Celui qui garde son amour, l'homme envers Dieu, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, oh, qu'on s'en a dit 10 fois, bon, on va qu'on s'en a dit 100 fois. Kole la na yo eko koma esengo bako finga bako tatola nzambe na sana bomongo bako fta finga yo bako bake non nzambe na za solo parce que olinga mokilité olinga guérison té olinga lo olinga mapango té olinga poto té molinga nzambe kole kanioso Jean chapitre 4 verset 1 Jean chapitre 4 verset 21 1 Jean chapitre 4 verset 21. La sœur est en retard. Et nous avons reçu de lui un commandement. Et celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Et nous avons reçu de lui un commandement. C'est lui que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Alléluia. Ce qui boulingoza loba amen. Mutu alinga kanzamba linga pende kono loba amen. Mutu alinga kanzamba za kenemia mwana nzambe te loba amen. Mwana nzamba za kenemia mutu te po ali manzambe ya solo. Nous avons reçu de lui un commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si on a kambo et komi ya ko tchola na ya ko finga na l'église, comprendre que mutona linga kanzamba te. Parce que mutu alinga kanzamba ko finga nde konen église te. Mutu alinga kanzamba ko tonga nde konen église te. Bible le dit, nous avons reçu de lui un commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ils ont dit, bino bolingana, bino la bino, bino bolingana. Bino bolingana, bino la bino, bino bolingana. Pouba mokili, baye ba, bozali, baye koli banga. Pouba mokili, baye ba, bozali, baye koli banga. Ah, alléluia. Prouvez en vous l'amour envers les autres. Si vous êtes là, peu importe lorsque nous allons partir, quand quelqu'un vient, dites en toi que cette porte est ouverte. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Toi aussi, tu as droit d'entrer dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, tu veux quoi? Tu veux quand même lire? Lis la parole au nom de Jésus. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Que Dieu te bénisse. Nous avons reçu de lui un commandement. Que
bien celui-là qui dit qu'il aime Dieu aime aussi son frère. Cela veut dire l'amour de l'homme envers Dieu. Si je dis que j'aime Dieu, que j'aime pas mon frère, c'est un amour qui est fausse. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.